Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 20e épisode sur Assassin's Creed Mirage. Alors petite explication par rapport à l'écran noir qu'il y a eu à la fin de l'épisode précédent. Tout simplement, il y avait comme problème avec l'électricité et j'ai eu comme une micro-coupure qui a juste éteint la PlayStation 5 et ce qui fait que heureusement c'est arrivé à la fin de l'épisode. Mais c'est pour ça que ça finissait tout noir. Par contre, ce qui s'est passé ensuite, vu que là je repars à un nouvel enregistrement, c'est que en gros j'ai continué à jouer et à faire l'épisode que je suis en train de refaire parce que j'ai joué comme pas facilement 45 minutes même plus après ça pour le nouvel épisode. Et voilà, panne de courant totale, ce qui fait que j'ai perdu 100% de l'enregistrement qui avait été fait. Heureusement les sauvegardes, enfin heureusement. Les sauvegardes auto me permettraient de reprendre exactement là où le courant s'est coupé, mais ça donnerait rien parce que j'ai rien enregistré visuellement. Donc, on va tout simplement tout refaire, de s'infiltrer dans cette forteresse, ce qui n'était pas chose facile, mais j'avais perdu du temps sur certaines affaires, donc peut-être que là, ça ira mieux. Sauf que là, je me rappelle plus par où. Oui, je me rappelle par où j'étais rentré, c'est bon. Donc, on va s'infiltrer. Il faut s'infiltrer par les murs là-bas. Là. Et on. Mais. C'est volé, toi. Un bijou babylonien. Hop là, lui, on va le voler aussi. Hop là, lui, c'était facile. Donc, voilà. On passe par là. Et on va faire discrétion totale. Voilà par où je pourrais essayer d'entrer. Ali a parlé d'un régisseur qui lui était loyal. Je devrais pouvoir le trouver du côté des cuisines. Paris, tu l'as laissé la clé dans cette salle en désordre. Qui dit clé, dit serrure. Je dois trouver une porte. Toi, tu es l'homme d'Ali? J'ai vu ton étoffe rouge. Nous devons faire vite. Wassif est dans la garnison intérieure. Je peux te faire entrer par le côté, mais on ne doit pas nous voir ensemble. Suis-moi à bonne distance et reste hors de vue. Oui, j'ai compris. Dis-moi quand tu seras prêt. Allons-y. Bon, on peut y aller. Je vais marcher au vu de tous pour éviter les soupçons. Toi, suis-moi à distance et reste caché. Alors c'était assez facile de s'infiltrer là. On aurait dit ça. Paraît que la prison est hantée. Ce qui s'y passe est de nature, disons, maléfique. On dit que c'est pareil à la porte de Damas. Mieux vaut de pas savoir. Tu crois que la ville va encore gagner à la lutte cette année? Prends de l'âge. Et une carrure qui gâte à le chat, tes épaules comme une charme. J'espère qu'ils vont bientôt réparer les murs. Moi aussi. Le seigneur Wassif est de retour. Alors soyez vigilants en patrouille. Faites toute la ronde jusqu'aux travaux. Et si j'en surprends à sécher, ça leur coûtera une semaine de solde et un mois de corvée de la traite. Alors, j'ai pu avancer trop vite encore une fois. Wow, c'était juste. Calme, l'ami, n'est-ce pas? Je ne suis pas ton ami. File plutôt t'occuper de tes affaires. Jusqu'ici, tout va bien. On a fait la moitié du chemin.
à rester caché. En cas d'échec, je ne pourrai pas t'aider et tu devras te débrouiller seul. Ne me suis pas découvert. Reste caché. Tu es caché. Voici la caserne. Les quartiers de Wassif sont probablement à l'intérieur, un peu plus loin. Je sais plus s'il fait des allers-retours. Ouais. J'aurais eu le temps d'aller le tuer, mais... On va le faire là. Les quartiers de Wassif. Étonnamment mais moi, sobre aussi, pour quelqu'un de son n'étais qu'un gamin quand on m'a envoyé chez le forgeron. Ce chien m'a battu, mais je suis devenu fort comme tu me l'avais enseigné. Dès que j'ai été assez grand, je lui ai brisé le cou de mes mains. J'ai serré jusqu'à ce que je le sente craquer. Je n'ai vu aucune colère dans ses yeux. Tout ce que j'y ai vu avant qu'il se remplisse de sang, ça a été la peur. Tu aurais été fier de moi, maman. Le dos droit, le regard sur l'horizon. Le Seigneur arrive et ne tolérera aucun manquement. C'est mieux. Le poids est bon. Équilibre aussi. Mais la poignée est un peu serrée. Voyons maintenant ce que donne le tranchant. Celui qui prend les armes contre nous n'est pas des nôtres. Tu as choisi le mauvais camp, mon ami. Le jugement appartient à Allah, pas à toi. Cela accroche toujours un peu. Allez approfondir les rainures pour le sang. Il est temps d'abattre ce chien. Ouais, hop. Il faut le donner. Pourquoi il l'a pas exécuté? Faut libérer les autres. Ensuite, tu pourras faire sortir tes hommes. Moi, je m'occuperai de Wassif. Sortir ? Ne dis pas de bêtises. Ça ne fait que commencer. Nous allons réduire cet endroit en cendres. Ah, oui, le gardien chef.
Et pour le moment, je peux pas utiliser l'aigle parce que c'est protégé. Examine les lieux. Voilà. Ne vole pas de ce côté, Enkidu. Alors, calade pour les tuer, le tireur d'élite. C'est d'où je viens. Ici, Alhamdulillah. C'est pour ça? Ah. Mais allez, casse le sol. Oh là là. Tout ça pour revenir là. Oh là là, n'importe quoi. Pas beaucoup lui. Bon, non, le ciel est utilisé. Ça. Et hop, tu es. Tout faire péter. Voilà le gardien. Non, c'est lui que je voulais sa tête dessus. Tu n'es qu'un chien. Et un chien qui mord. Maudit duré. Vous allez tous périr ici. Mets-toi avant nous. Je vais te garder en pour que le Seigneur puisse l'achever. Je ne vais pas te faire ce plaisir. La clé des cellules. Maintenant, libérez les autres. Alors, y a-t-il de la bouffe ? Non, pas ici. Et pas capable de... Voilà. Les hommes sont libres.
dois à présent trouver Wassif. Il y a un fanal au-dessus d'ici. Une fois allumé, il donnera l'alerte à toute la garnison. Les gardes viendront à nous. Et je trouverai le moyen d'entrer dans ces quartiers lorsqu'il sera seul. Très bien. Je vais allumer le fanal. Tâche de ne pas oublier notre accord. Je m'en souviens très bien. Parce que là, je suis en train de refaire tout ce que j'avais fait. Genre, ça m'avait pris 45 minutes. Là, je le fais en 15 minutes. C'est l'heure de mourir! Et non, il grimpe pas, voilà. De les aider, faut juste qu'ils aillent au balcon. Non, je dois prendre l'échelle. Allez, hop. Là, là, c'est la corde. Que j'ai rendu, que j'étais rendu avant que il y ait eu la panne de courant, mais j'avais vraiment perdu du temps pendant la mission. Et là, la porte est refermée. Ah, le glitch. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes encerclés. Silence! Apporte ça en bas, vite! Ali, le Zindik et ses rebelles ont attaqué la garnison. Demande des renforts. Ferme la lettre. Quand la porte sera brisée, trouve le moyen de la porter au calife. Sur ta vie, jure-le. Oui, ça y est, ça souffre pas, ça. Calme et silencieux, même pris au pied. Tu n'as pas souvent employé, et que tu ne prononceras jamais plus. Oh. Alors c'est donc ça, la liberté. Pourtant, je ne vois aucune issue. Et encore le djinn. Thank you.
va falloir se battre pour sortir. Notre révolution commence ici, avec moi. Ça ne me dit rien de bon. Allez, allez. Voilà qui est un bon jeu. Pourquoi se bat-il? Oui. Allez, avec nous. Je te tiens. C'est terminé. Allons-nous-en d'ici. Ne t'aimez pas. Sur moi. C'est ce que tu appelles la liberté? Sortir d'une garnison, les armes à la main? Pourquoi? Être pas loyal? Je préfère juste un loyal assassinat. Je vais aller demander de l'aide. J'espère que tu as mieux formé tes hommes que Wassif n'a entraîné les siens. Le combat est déjà prêt. Encore une fois, une forme d'entraînement. Ah, on a déjà deux sur la terre. On a réussi. Et de justice. Loin de là. C'était inéluctable. D'autres gardes. Elle se rend mieux, quoi. Parce qu'il y a un bug. Je te tiens. Combat comme un sort. Tu combats comme un sort. Combat comme un scorpion. Peut-être que tu es plus proche de notre cause que tu veux bien l'admettre. Ce sont les derniers. Alors repartons par où nous sommes arrivés. Oh non, mon ami. Nous allons sortir par la grande porte. Alors. Et comment on va chercher ça? Sur le toit de ça. Ok, pas comme ça. Allez, ouvre-moi la porte. Je vais t'attraper. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi? Va-t'en d'ici. Ferme ta bouche. Ah,
Ok, personne. Ah, il y a une échelle là. Hey, toi, attends un peu. Alors, facile de grimper par là, non, on a le même problème. Bon, il est dans la lune. Tant pis pour lui. Ne faites rien. Avec toi, Saïbazon. C'est un bonjour. Je te retrouverai au bureau. Je pense qu'on va devoir à un moment donné se battre contre Ali. Ce sera la liberté ou la mort. Dieu est grand. Il est notre Dieu que Dieu. Dieu est grand. Il est notre Dieu que Dieu. Dieu est grand. Il est notre Dieu que Dieu. Il faut que j'aille retrouver Foulade au bureau. Corde qui redescend. Il y a une entrée là, voilà. Quand on parle du chat, on en voit la queue. Et le voici parmi nous. Pas de geste brusque, ami des félins. Si tu ne veux pas que ce chat vienne t'étriper. Tu as tenu parole. Wasif est mort. Et tous ceux qui l'apprennent, l'apprennent de ma bouche. Dommage que nous n'ayons pas pu sauver Béchi. Son courage me plaisait. On compte déjà son histoire dans tout Bagdad. Mort, il libérera plus de gens qu'il ne l'a fait de son vivant. La liberté a un prix. La question est de savoir si on est prêt à le payer. Béchi l'a accompli avec fierté. J'ai beaucoup à faire. J'aimerais vous souhaiter à tous deux la paix, mais je sais qu'elle est absente de votre avenir, et du mien. Je crains qu'Aline ait raison. Plus rien n'arrêtera sa révolte à présent. Peut-être est-ce mieux ainsi, oui. Ce qui
qu'il propose est... À la garnison, nous avons vu Wassif se disputer avec le gouverneur, Mohammed ibn Tahir. Mohammed, c'est étrange. Je vais garder un œil sur lui. Raka lahika. Oh, on est devenu disciple. Ouh, ça monte vite. Là. Putain, ok, on a un indice de plus. Ça, c'est le contrat. Ça, j'ai pas encore récupéré tous les fragments. Donc, on a ça comme quête. Et elle est là. On va faire ça. Voyons voir les compétences. Alors, ici, ingénieur. Il est possible de choisir une deuxième amélioration d'outils échelon 1 pour chaque outil disponible. Attention, la réinitialisation autorise tous les avantages d'échelon 1 de l'outil pour les appliquer à nouveau. C'est vous à Banu Moussa. Ok. Alors, on a 8 points. Ok. Alors, ça, c'est quoi ? Assassiné enchaîné. Après l'exemple d'un canin, le second ennemi. Ah oui, je veux ça. Ça, je le veux aussi. Et après ça, il ne reste plus qu'un seul point. Donc, on va parler à Banu Moussa. Ah, on a des nouvelles teintures. Tu vas changer de costume. Celui que j'ai, j'aime pas le... J'aime la couleur et tout le design, mais j'aime pas juste pas la capuche. La paix, mon ami. Bienvenue. Peux-tu améliorer ? Voilà ce que je... Alors... Donc, activé, portée accrue et augmente de 50% les dégâts causés par les couteaux lancés. Ah oui, on va prendre ça. Là, on peut choisir un bonus. Augmentation de la capacité à munitions de cet outil, la durée de l'effet et la zone. Alors, on va augmenter la zone. Et là aussi, je peux en prendre deux, ok. Ce sera tout? Qu'y a-t-il de neuf? Je t'en prie. Alors, est-ce que je peux... Non. Pas tu en as vu la assez possibilité de débloquer quelque chose. Je te suis... À une autre fois. Ok, bam. Hop, il y a le coffre, on va prendre des munitions. Et ben on va s'arrêter ici pour cet épisode, donc au moins j'ai rattrapé, je pensais que ça allait être plus long de rattraper tout ce que j'avais perdu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, coche la cloche pour ne rien manquer, n'hésite pas à mettre un commentaire, partager la chaîne avec tes amis, et si tu es déjà abonné à la chaîne, je te dis merci grandement et de ta fidélité, et quant à moi je te dis à de prochaines aventures, ciao! Bye-bye.